J'avais des perceptions jusqu'à l'âge de 7-8 ans, c'est-à-dire je pouvais voir des couleurs autour des gens, des énergies. Parfois la nuit, je pouvais voir des personnes décédées. Et puis personnellement, dans ma vie, ma mère a été enceinte. Alors je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et cet enfant est décédé au bout de 5 jours. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu un énorme décalage entre ce que j'ai su intuitivement, c'est-à-dire cette pensée dans la nuit que mon petit frère était décédé, et puis ces heures après où ma mère a appris par téléphone qu'elle venait de perdre son enfant. Donc pour moi, c'était une évidence, il était parti dans l'autre monde. Et par contre, ça n'a pas été du tout bien accueilli par mes parents, qui m'ont trouvée insensible en fait, parce que je savais, j'avais une longueur d'avance finalement avant tout le monde. Mediumship is a natural faculty which is very much inherent within the human mind. So people all over the world, irrespective of their religion or their cultures, will have psychic experiences. Maybe that they have spontaneous glimpses of a deceased person, or they may experience a premonition of something that is about to happen. And then they start to wonder, what is happening to me? Is this real? Is it my imagination? And eventually they come as a student to this college to find the answers to that they are seeking. Je n'ouvre que très rarement mes portes. J'accueille chaque année près de 3500 étudiants. Ils séjournent ici pendant une semaine pour développer leurs capacités, encadrés par plus de 50 professeurs, tous médiums confirmés. Vous allez découvrir ce qui m'anime. Je suis Stansted Hall, au nord de Londres, plus connu sous le nom de Arthur Findlay College. I've been teaching here for 13 years now, and before that time I was a student here, and I enjoyed the teachings very, very much. They helped me very much to understand life and also death. And it really profoundly changed my outlook on life. And that is because at this college, we teach mediumship and spiritualism. It is a very important college, very famous throughout the world. We get students from all over the globe. And this week we have a French speaking course going on, but also South Africa, Australia, New Zealand, and even we have a special week for students from Japan. Quand je suis arrivée, c'est pas facile parce que je suis arrivée toute seule. J'avais un peu le trac pour mon premier jour d'école. Et puis en fait, très vite, on vous met dans le bain, on travaille très rapidement. On arrive le samedi et dès le premier jour, on vous attribue des groupes. Et vous travaillez presque très rapidement, donc vous n'avez pas trop le temps d'être anxieuse ou de repartir, de reprendre le train, ce qui est bien. Et je suis arrivée dans un groupe avec une médium qui était très bienveillante, presque maternante et qui met en confiance. Dans le rapport des cours et des autres personnes que j'ai rencontrées à Stansted et les échanges qui se sont passés, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Je pense que sur la porte d'entrée, il faudrait marquer « Vous rentrez dans ce lieu, accrochez-vous ». Tout est d'une intensité fantastique. Well, of course, we try to reassure our students. Some of them are beginners and they may be nervous and a bit frightened. But we always say that there is no danger when it comes to mediumship. It is perfectly safe if it is done properly. And apart from the practical sessions that we have, we also offer theory and philosophy, because we need to have a backup and explain why we're doing certain exercises so that they get a thorough understanding of how it should be done. Mon chemin vers ici, vers le collège Findlay, est assez simple. En fait, moi, j'ai démarré par du développement personnel. Parce que, comme tout un chacun, j'avais quelques blessures d'enfance qui étaient un peu délicates et qui me pesaient. Donc, on va dire qu'il y a, pendant un laps de temps d'un peu moins d'une dizaine d'années, moi, je me suis beaucoup consacré à mon travail. En fait, je suis chef d'entreprise. Je travaille dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, extrêmement basé sur le matériel, hein, sur l'argent en plus, vous voyez, donc il n'y a pas de hasard non plus. Hein.
Et en définitive, voilà, mon sentiment réel, il y a deux ans, c'était pour moi un phénomène de vide un peu. Et là, sur un plan spirituel, il y avait vraiment quelque chose qui était un manque pour moi, en fait. Quelque chose a dû s'ouvrir à ce moment-là, et j'ai fait une rencontre dans ma vie qui m'a guidé en fait vers ici, en me disant bah tiens, j'ai quelque chose à te proposer qui peut être intéressant. Allez, on va aller dans le château de Harry Potter, donc c'est un petit peu comme ça qu'on le surnomme ici. Et elle me dit bon, tu verras, ça touche en fait à la médiumnité, tout ça. Et objectivement, moi, j'avais pas, ça me parlait pas trop, hein, à vrai dire. Je dis bon, alors. Curieux de nature, hein, très curieux depuis très longtemps. J'ai dit, bah, par contre, je suis vraiment curieux de découvrir cet endroit-là. Et donc, j'y suis venu il y a un an de cela, en fait. C'était en octobre dernier. Mon état d'être et d'esprit, je suis un peu perdu, un peu stressé, parce qu'en fait, de mon point de vue, je n'ai aucun don dans ce sens-là. Je n'ai pas vu d'apparition quelconque, comme beaucoup d'amis m'ont raconté. J'ai pas eu une voix dans mon esprit. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment rien de tout ça. The Arthur Findlay College is not a standalone organisation in itself. It's actually part of a far larger organisation, and that is the Spiritualist National Union. We're the governing body or the administrative body for the religion of spiritualism. Spiritualism claims to have a threefold aspect. We claim to be a religion, and we claim to have a unique philosophy. But the third aspect of spiritualism is we also claim to be a science. What separates us from most other beliefs is we're not faith-based, we are evidence-based. Spiritualism uses mediumship to provide evidence to support our philosophy. We believe that you don't die, that you live on, and that we use mediumship to communicate with people who claim to have died. So therefore we're using it as a science to provide evidence. Frappe une fois pour oui. Frappe deux fois pour non. La nuit du 31 mars 1848, près de la ville de Rochester, dans l'état de New York aux États-Unis, Kate et Margaret Fox, deux jeunes sœurs, établissent pour la toute première fois une conversation par coup frappé avec un certain monsieur Splitfoot. Bientôt, des milliers de médiums à travers le monde déclarent communiquer avec l'au-delà lors de sessions de tables tournantes ou de spectacles. De nombreux charlatans tentent leur chance. Il est temps d'y mettre de l'ordre. En France, Allan Kardec, rejoint bien plus tard par Victor Hugo ou Camille Flammarion, fut le premier à codifier la pratique et à en tirer une doctrine cohérente. Le spiritisme est né, mettant l'accent sur le progrès moral de l'âme grâce à la réincarnation. La seconde branche, née dans les pays anglo-saxons, devient la religion spiritualiste, encadrée par le Spiritual National Union. Contrairement au spiritisme, elle ne reconnaît pas la réincarnation dans sa philosophie. If we look at the early years of modern spiritualism, particularly the first one-third, say the first 50 years, mediumship was happening spontaneously within people. There may have been little private development circles, but there was no colleges, no schools such as this. But in 1910, the Spiritualist National Union created a postal college where people could take courses, study, and they would post their test papers. Then in 1916, we started issuing certificates and diplomas in various categories of mediumship. So by that time, we were starting to really formalize. So we've got long experience in training mediums, in assessing them and issuing certificates and then higher diploma awards. But it was then in the 1960s, on inheriting this home from Arthur Findlay, we were able to set up a residential college and take our training to a whole new level. Bâti en 1871, je suis dans mes premières années un domaine familial. Arthur Findlay, écrivain et spiritualiste, en franchissant mon seuil pour la première fois en 1920, a formulé l'idée que je puisse un jour devenir un lieu d'étude. Je suis légué au Spiritual National Union en 1964 pour devenir aujourd'hui un collège réputé.